J'ai l'impression que Jenny a du mal avec elle-même depuis trop de temps. En public, elle fait comme tout le monde, elle garde la face, elle renvoie une image de nana déconne, bien dans sa peau, épanouie. Mais si tu l'observes de plus près, tu comprends vite que c'est pas vraiment ça. Parce qu'elle en fait trop, elle parle fort, comme si elle cherchait à couvrir le bruit qui résonne dans sa propre tête. Et puis, y'a quelque chose dans ses traits, dans les expressions de son visage, dans ses cernes et le sourire forcé qu'elle se bat pour afficher. Elle dégage une impression de fatigue et de lassitude. C'est comme si son regard était voilé, que ses jolis yeux avaient perdu de leur éclat. Elle a dû être déçue ou abîmée par un gars, peut-être même plusieurs d'ailleurs. Et elle s'en remet pas depuis. Inconsciemment, elle se punit même probablement pour ce qui s'est passé, alors qu'elle a tout pour plaire, tout pour plaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, tu crois? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déjà la prendre dans tes bras et lui dire ça va, ça va, ça va. Tu peux la prendre dans tes bras et lui dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. Tu peux la prendre dans tes bras et lui dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois, forcément au moins une fois. Pareil pour ce gamin que j'ai croisé l'autre jour à côté du Zara. Au début il était de dos et c'est pour ça que j'ai d'abord cru que c'était une fille. Il avait des longues jambes tellement fines et des fesses de gamine, les cheveux longs et un sac à main. C'est quand il s'est retourné que j'ai vu que c'était un mec, un gosse en fait. Il devait avoir 17 ans maximum. Il rigolait avec ses copines, ils avaient l'air de se moquer d'une personne de leur lycée à qui il est arrivé je sais pas trop quoi, mais dans son regard à lui, il y avait une vraie détresse à te faire sauter le cœur. Une douleur que même lui devait pas évaluer complètement. On sentait bien qu'il en faisait des tonnes express, c'était gravé dans ses pupilles, qu'il en chiait à mort. Et qui sentait qu'il allait en baver encore. Il avait dû se faire cogner, maltraiter, même passer dessus si ça se trouve. Je me suis demandé s'il était pas un de ces ados qui servent de jouet à d'autres, plus forts ou plus vieux. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, tu crois? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déjà le prendre dans tes bras et lui dire ça va, ça va, ça va. Tu peux le prendre dans tes bras et lui dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. Tu peux le prendre dans tes bras et lui dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois, forcément au moins une fois. Hey! Aussi te parler de gens que tu connais forcément parce qu'on a des milliers et qu'on en a tous un comme ça dans notre cercle de proches quand c'est pas sous nos vêtements. Ce pote qui se démonte la tête dès qu'il a une fenêtre de tir qui se met minable aussi bien les soirs de semaine que le week-end à la bière au pif, aux alcools forts, aux vidéos débiles, qui s'écroule dans les voitures, qui se fait des bleus quand il tombe parce qu'il est trop mal. On connaît tous une personne qui a trop de bonté, qui est trop fragile pour dormir ou supporter le monde sans substance, quelqu'un qui est né en poussant un cri mais qui se sent tout seul à combattre. On connaît tous une personne pour qui tout le monde s'inquiète mais à qui t'oses rien dire ou pas assez. Parce que c'est difficile de parler de ces choses-là et puis parce que tu te dis, à juste titre, qu'est-ce que je suis pour juger? T'as raison. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, tu crois? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déjà les prendre dans tes bras et leur dire ça va, ça va, ça va, ça va. Tu peux les prendre dans tes bras et leur dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. Tu peux les prendre dans tes bras et leur dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois, forcément au moins une fois. Ce qui me concerne, je fais pas trop le malin non plus, tu sais. Parce qu'avec les filles, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Parce que je suis plus que capable de mettre des bonnes grosses timbales sur commande. Parce que je sais pas ce qu'on fait de mieux en matière de communication. Parce que j'ai une tolérance à la peur et à l'angoisse qui approche les zéros. Alors j'écris des textes à la lueur de l'écran quand je rentre bourré chez mes parents le soir. Mais parfois, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, tu crois? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déjà me prendre dans tes bras et me dire à moi, ça va, ça va, ça va. Tu peux me prendre dans tes bras et me dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. Tu peux me prendre dans tes bras et me dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois, forcément au moins une fois. Tu peux me prendre dans tes bras et me dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois. Tu peux me prendre dans tes bras et me dire que le jour se lèvera forcément au moins une fois, forcément au moins une fois.